Hello tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo question pour Magnus, où on va aborder aujourd'hui un élément relativement intéressant et qui est pourtant une question peu posée à mon sens, à savoir quels sont les sens que possèdent les transformers, sont-ils les mêmes que les humains et comment fonctionnent-ils C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Comme toujours, laissez-moi vos questions en commentaire et celles qui recevront un super like de ma part seront sélectionnées pour une future vidéo. Sur ce, Let's go Nous autres humains possédons cinq sens ⁇ la vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher et le goût. C'est via ces cinq sens que nous expérimentons notre monde et que nous avons survécu jusqu'à aujourd'hui. Les cybertroniens aussi possèdent ces sens, mais pas seulement, et c'est ce que nous allons voir tout de suite. Tout d'abord pour la vue. Un transformeur possède des yeux, parfois appelés senseurs optiques ou cellules photo. En tout cas, ce sont des optiques qui leur permettent de voir le monde autour d'eux de manière assez précise en fonction des continuités. La vision d'un cybertronien est semblable ou non à celle d'un humain, mais les yeux de ces derniers sont assurément plus performants que les nôtres, ne serait-ce parce qu'ils peuvent scanner leur environnement avec eux. Une majorité d'individus possède deux optiques, mais d'autres en possèdent une seule, comme Shockwave, Nitro Zeus ou encore Whirl, quand d'autres en ont bien plus, Barricade dans les films par exemple, ou encore Lugnut dans Animated, qui possède deux petits yeux sur le côté de son visage. Là où la vision d'un cybertronien est similaire à celle des humains, c'est principalement aussi dans ses inconvénients. Ils peuvent être éblouis par une lumière très forte, ne plus voir si jamais il y a de la fumée ou un quelconque élément obstruant la vision, etc. etc. En revanche, si la vision des Transformers en mode robot est facile à comprendre, en mode véhicule, c'est une toute autre histoire. À vrai dire, peu de médias ont réellement abordé la question de comment ils arrivent à voir en mode véhicule. Certains avancent l'idée comme quoi ce sont grâce aux vitres qu'ils peuvent voir, d'autres grâce aux phares ou encore qu'ils se repèrent par écholocalisation, un peu à la manière des chauves-souris. Qui détecte les obstacles alentours de cette manière. Une information qui va dans le sens d'une moins grande aisance en termes de vision en mode véhicule nous vient d'un livre dérivé de Transformers: Revenge of the Fallen, qui nous explique que si Megatron garde son visage visible en mode véhicule, c'est pour mieux voir aux alentours et avoir un meilleur temps de réaction. D'ailleurs, hein, traditionnellement, les optiques des Cybertroniens ont des couleurs différentes. Souvent, les Autobots sont des optiques bleues et les Decepticons des optiques rouges, mais on a vu beaucoup d'exceptions à ces règles, et globalement, c'est un élément souvent pas expliqué et qui relève davantage d'un simple moyen de différencier les gentils des méchants pour le jeune public. Pour ce qui est de Louis, là aussi, les Transformers sont assez proches des humains, étant a priori capables d'entendre les mêmes choses qu'eux parfois un peu plus, mais globalement c'est la même chose. Ils ont pour cela des senseurs audio qui fonctionnent de façon similaire aux oreilles humaines, réagissant donc à des sons trop forts par exemple. Ils sont également capables de capter des fréquences ou des ondes particulières par moment, mais c'est davantage le résultat d'upgrades, de la même façon qu'ils sont capables de communiquer entre eux, techniquement c'est aussi quelque chose que les humains peuvent faire avec une oreillette. Du côté de l'odorat, et contrairement à beaucoup d'idées reçues, les Cybertroniens possèdent bel et bien des senseurs olfactifs, leur permettant de sentir des odeurs environnantes, très souvent mieux que les humains d'ailleurs. Dès la première génération, on est informé de cela, et on apprend dans ce que les Maximols et les Predacons ont un odorat encore plus développé que leurs ancêtres, de par leur aspect techno-organique. L'une des continuités qui met beaucoup en avant l'odorat des Cybertroniens, c'est l'univers des films, où dès la scène d'arrivée des Autobots sur Terre, Ratchet prétend sentir le niveau de phéromones de Sam. Si c'est ici utilisé sur le ton de la blague, plus tard dans le film, Megatron dira être capable de sentir Sam également, et au début de *Revenge of the Fallen*, Ironhide sentira cette fois-ci la présence de Demolishore, preuve aussi que les Cybertroniens dégagent une odeur, sans doute reconnaissable uniquement entre eux. Le toucher est là aussi un sens évident des transformeurs, étant capable de ressentir les différentes textures d'une matière ou encore la température de cette dernière. On ne sait pas grand-chose sur le fonctionnement exact de ce sens, si ce n'est que les cybertroniens possèdent différents senseurs de contact, notamment capables de détecter tout ce qui est électromagnétisme et électricité présente dans un corps physique. Enfin, le goût est aussi un sens que possèdent globalement tous les Transformers. Si on ne sait pas exactement non plus comment ce sens fonctionne, on les sait capables par exemple de faire la différence entre différents types d'énergons au moment de l'ingérer. Voilà donc pour les cinq sens que possèdent les Cybertroniens au même titre que les humains. Mais comme je l'ai dit en intro, ils en possèdent d'autres. Tout d'abord, certains d'entre eux sont capables d'enregistrer ce qu'ils voient pour regarder de nouveau certaines choses plus tard. On pourrait considérer ça comme une sorte de caméra intégrée directement dans leurs optiques, mélangeant donc la vue et la mémoire. On ne sait pas si tous les cybertroniens sont capables de cela, mais c'est fort possible. Ils possèdent également un sens leur permettant l'équilibre, un peu semblable à l'oreille interne chez les humains et enfin surtout pour la blague disons on apprend dans un livre sorti à l'époque de la g2 que le mégatron de cette époque s'est fait installer des capteurs derrière les épaules afin de pouvoir détecter quiconque approcherait et souhaiterait le trahir starscream principalement voilà donc pour cette vidéo consacrée aux différents sens que possèdent les transformers j'espère vraiment qu'elle vous aura plu comme toujours depuis quelques semaines, on enchaîne vraiment les sujets assez techniques, mais ça me permet de vraiment vous en apprendre plus sur la fabrique même de l'univers Transformer, de sorte que quand je parlerai de nouveau de certains concepts dans un focus ou une analyse à l'avenir, vous saurez comment ces derniers fonctionnent et aurez donc toutes les clés en main pour comprendre au mieux ce que je vous raconte. À ce propos, car mine de rien ça fait un moment que je n'ai pas évoqué le sujet avec vous, je n'ai toujours pas pu me procurer un nouveau PC sur lequel monter les vidéos comme avant, et donc le retour en grande pompe des focus, des analyses, mais aussi l'arrivée de tout nouveau concept que je prépare depuis plusieurs mois seront un peu retardés. J'essaierai malgré tout de reprendre les focus, sachant qu'il me reste 3 épisodes avant d'arriver au centième tant attendu, et qui pour le coup me demandera assurément un nouveau PC, car ça sera un énorme morceau. Les numéros 97, 98 et 99 pourront donc sortir à partir de septembre peut-être, mais je ne peux pas le garantir à 100%. Je vous tiendrai au courant de tout ça, dans l'onglet communauté, hein, dans tous les cas, et je vous remercie encore pour tout le soutien que vous m'apportez, ça fait vraiment chaud au cœur, merci à tous. Sur ce, c'est tout pour moi, c'était Magnus, comme d'habitude laissez-moi en commentaire vos questions en vue d'une future vidéo questions pour Magnus, on se dit à très vite, ciao